avez fait l'effort de venir ici et je vous dis à 400% que vous avez eu raison. Parce qu'aujourd'hui, se préparer seul, parce que quand j'entends des joueurs qui disent « j'ai un préparateur physique, je vais voir, je vais courir, je vais voir ce que je vais faire », les gars, aujourd'hui, les clubs, ils attendent des joueurs qui soient prêts. Donc alors, pour être bon et pour être collectif, on s'investit dans le travail ici. C'est, enfin, quand on a une notion de club, mais on part dans une notion de club de travail. C'est-à-dire qu'on fait une prépa, c'est plus dur parce qu'on a moins de temps que les autres, donc il faut aller plus vite. Donc ce qui veut dire, c'est dans les temps d'entraînement, c'est la concentration qu'on y met. Malheureusement, de votre malheur, vous avez quand même le bonheur d'être ici aujourd'hui, de pouvoir vous préparer, j'irai quasiment normalement, comme si vous étiez en club, du moins sous contrat, puisque vous êtes en club ici et vous étiez sous contrat, donc chez vous, effectivement, il faut mettre de la joie, de la bonne humeur. C'est facile à dire là, mais je peux vous assurer que je pense que on ne contredira pas. Ça vous aidera aussi à surmonter pas mal de choses. Quand Bobo m'a appelé, moi, j'ai pas hésité une seconde. J'ai tout de suite dit oui. Moi, je parle du côté humain. On a tous quelque chose à apprendre les uns des autres. J'ai beaucoup appris à travers les joueurs. On est riche ensemble, on est fort ensemble. Donc, vous verrez, ça va très très bien se passer. Et comme l'a dit Serge, la meilleure façon de pas voir le temps passer, c'est de bosser, de se mettre à fond. Mais c'est par le travail que vous allez arriver à faire quelque chose. Alors si vous investissez dans le travail, dans ce que vous faites et dans ce qu'on fait, on aura un collectif qui sera fort. Et quand on va avoir un collectif fort, on va battre les équipes en face. Et quand on va battre les équipes en face, et bien le regard il va être fort.